simplement, on ne connaît pas ce Debussy-là, qui est un Debussy un peu curieux, un peu mystique. En fait, Debussy qui a voulu écrire son Parsifal, et il y a même différence entre Parsifal et les autres œuvres de Wagner, où c'est très différent. Et là, entre cette œuvre-là, qui est très simple, les chœurs sont à la manière de la Renaissance, tout simplement, magnifiquement écrit pour les voix, on entend parfaitement les paroles, et c'est vraiment, on voit ce qu'il aimait. On voit la musique ancienne que Debussy, polyphonique, auquel Debussy rend hommage ici. C'est vraiment de remettre de l'humanité dans Saint-Sébastien. C'est-à-dire qu'on a souvent dans les adaptations qui ont été faites, Sébastien est au centre, certes, mais il n'y a pas que lui qui est au centre. Il y a vraiment des personnages de chair très humains que j'ai trouvé formidables, dont l'empereur, comme disait Alain Louvier, mais aussi dont ceux qui se sont sacrifiés pour aller dans la religion chrétienne, dont les sorcières, enfin bon, les images de l'art païen, les images de l'art chrétien. Enfin, voilà, donc c'est ça qui m'a intéressée, c'est de le ramener vers de l'humanité.